وريت لي كل شيء من تلقى الله فيه هذا هو محلول مكلوب ثم لا روح شوفهم يسمعوا فيك ولا بالبريزونس ولا ليش؟ برا تحب تاخذ الاسم بالبريزونس تعمل هيك دوبل كليك ريتو هذه قبل جيب لي برا بيجيب لي تعمل ليست دافير في مثل ما هذو ما يطلعوا لك الكل الكل اوكي عايش نادي بالاسم اللي جاوبك وانا حاضر ميرسي عايش Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Ok, parfait. Monsieur? Oui. Monsieur, je suis Slim Zrafi, je m'a connecté à notre compte, M. Terry. Donc. Mrigle, mrigle. شنو هو الكونت اللي مكونكتي بيه؟ هلا يوسف بيه واضح هكا مسيو سليم زرافي بيه بيه حفظك جوك بيه Et on peut commencer mais par les arthropathies microcristallines. On va faire un cas clinique. Donc, c'est une dame de 72 ans qui vient pour des arthralgies du coude droit et du genou gauche, qui évolue depuis 4 mois avec un gonflement du coude droit qui évolue depuis une semaine. Comme antécédent, elle a une hypertension sous inhibiteur de l'enzyme de conversion et aspigique, 100 mg par jour. Vous examinez la patiente, vous trouvez qu'elle est apyrétique, qu'elle a une arthrite du coude droit avec un flessome à 50 degrés et un genou gauche tuméfié avec un choc rotulien positif. On va compléter l'interrogatoire et l'examen de la patiente. C'est interactif, là, monsieur. Normalement, je ne crois pas que c'est... Les antécédents. Antécédents rhumatisme articulaire. B, parfait. Diabète. Déjà hypertendu. Obésité. Obésité est plutôt l'examen avec elle. Traitement. L'habitude de vie, donc on dit ça même. Cas similaire, ou l'épisode similaire, c'est d'aller hier. Autre fait, dystéroïdie. Hyperparathyroïdie. Dans les antécédents, c'est. Autre localisation. Et l'interrogatoire. Caractéristique de ta douleur, l'horaire, ça, c'est important. Préciser l'horaire, si c'est inflammatoire ou la mécanique. Facteur aggravant, facteur alléviant. Avec les caractères inflammatoires. Sahid. Contexte de traumatisme, c'est bien. Le mode évolutif, est-ce que est additif, ou est-ce que c'est d'articulation wahda ou pas, ça s'est rajouté, ou là, c'est migrateur, ou c'est important de préciser. L'examen. Poids ou taille, c'est important pour préciser l'indice de masse corporelle.
fonction, mais c'est l'examen. C'est un examen compliqué. Des formations. Axial ou périphérique, Fahid. B. Ah oui, je n'en retarde pas. Donc, comme antécédent, je vais préciser les éléments du syndrome métabolique. Si elle a un diabète, il est déjà hypertendu. Si elle a une dyslipidémie, mais chez antécédent de rhumatisme inflammatoire chronique, personnel ou la familiale, c'est important. Si elle a une pathologie rénale connue, les habitudes de vie alimentaire, si elle est alcoolique, tabagique, sa profession aussi à préciser. Les caractères de la douleur, l'intensité, si elle est insomniante ou pas, l'horaire inflammatoire ou la mécanique, le type, s'il y a des prodromes qui précèdent les crises articulaires, le retentissement, et puis les antécédents de crises similaires. Alors, les signes généraux, ou extra-articulaires, si elle a une fièvre, si elle a une altération de l'état général, non ? Allez, altération de l'état général, c'est anorexie, amaigrissement. Et puis l'examen, il précise surtout le poids, la taille, la température. L'examen osteo-articulaire qui m'a dit squelette axial, squelette périphérique. Surtout périphérique, des signes articulaires périphériques. Et puis l'examen général. Mais... Donc, pour résumer, dès qu'il y a... On va résumer le cas clinique. On peut le résumer en une phrase. Elle vient pourquoi, cette dame? Oui. Je suis de ça, maman. Qui te chauffe l'examen, Mtéha? Mich arthralgie. Un petit peu l'énoncé. Avec un petit, il est jeté pour arthralgie, mais selon les données dans l'examen, tu as une arthrite, j'aime le. Du coude et du genou, zous. Je note ça, ma vie. Oligo-arthrite. Une articulation, c'est une mono-arthrite. Deux articulations, ou elle a trois articulations, c'est oligo-arthrite. Quatre ou plus, toi, les polyarthrite. C'est une dame. Donc, âgée, 72 ans, c'est une dame âgée, qui vient pour une polyarthrite, une oligoarthrite, ça vous connaît ? Deux chenons, des petites articulations, des grosses articulations. Et déjà, ça oriente vers le diagnostic. Est-ce que une femme fait polyarthrite rhumatoïde, qui n'a pas de la heavy ? Mais c'est la première chose. Je ne sais pas, mais c'est la première chose. التخلويض الكل هذيك حتى في الاكزامان راه ديما حاول تخرج جمله واحده خاطر ديجا لي نونسي تلقاها طويل كي تقرا الجمله هذيك سيد تولي اورينتي في الوقت والوليغو ارتريت هذيك يفني ايغو خاطر لي فولي دو بوين سيمي ارتخالجي هذيك ايه ارتخالجي سي دي ارتخالجي كرونيك افيك اون oligo-arthrite aiguë. Chronique à partir de 3 mois en général. 3 mois, acteur, 3 mois chronique, à calme 3 mois aiguë. Femme sub-aiguë avec 6 semaines. Il te faut 6 semaines, toi, les sub-aiguës. Bien 6 semaines ou 3 mois, ça m'a sub-aiguë. À calme 6 semaines avec aiguë ou al-hamal. Et donc, les éléments pertinents dans l'énoncé, pour synthétiser, comme deux articulations, genou ou coude, début brutal sur enfant d'arthralgie chronique, un des clashs qui est important, c'est un sujet âgé, le sexe féminin, c'est important, l'absence de contexte infectieux ou de porte d'entrée infectieuse, et puis l'absence d'antécédents de rhumatisme inflammatoire chronique. Et dès qu'elle coule, ça oriente vers une oligoarthrite aiguë chez une dame âgée, pour ça, si on peut synthétiser en une phrase. Mais je nomme les examens complémentaires qu'on va demander de première intention. Radio, on tâche non.
Passe profit. Chenon R. Biologie. Ou Aouel Haja qui m'a dit Bekri Sahab, comme ponction articulaire. Aouel Haja avec. Tête d'un. Hein? هي ارتريت عندك ارتريت واضحه عندك شوك روتوليان قلنا بك شوك روتوليان avec une tuméfaction du coude c'est une arthrite معناها فما حاجه فونكسيونابل فهمت l'élément d'orientation il est là donc شنو ponction articulaire avec assez important bilan biologique في bilan inflammatoire fonction rénale شنو R حاجه اخرى Uricémie, voilà, acide urique. Ça... Calcium. Non calcium. Comment est-ce calcium Comment est-ce que le calcium élevé avec le chondrocalcinose articulaire, qui est le chondrocalcinose articulaire, là, il est hyperparathyroïdie. En dehors de l'hyperparathyroïdie, le chondrocalcinose articulaire ne signifie pas hypercalcémie. Il faut le faire. Fonction avec donc moi je trouve le diagnostic elle trame au firme devant ce contexte ça hein? Inflammatoire qui mâche nous PR polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé ça dit il a dit dit elle n'est pas fréquente mais ça arrive hein. C'est rare mais c'est possible voilà microcristallie. Microcristalline qui mâche nous. Goutte CCA. Hydroxyapatite, c'est l'actaligie un sujet jeune. Dans les mâches, je le cours, les hydroxyapatites. Hein. C'est une arthropathie microcristalline qui survient chez le sujet jeune, en général, où les symptômes terme sont fugaces. On a dit qu'une arthrite, tout va être naha. Mais je dirais les objectifs c'est à connaître au bar un sujet jeune l'actarie dit voilà dégénératif une poussée de d'arthrose mais l'infectieux c'est exceptionnel allez je rate oligoarthrite quand j'ai monoarthrite ça me fait. C'est possible, mais c'est exceptionnel, la rita. Je me fais un contexte particulier. Je me fais un porte d'entrée, je me fais un porte d'entrée. 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 أول حاجة مونو أرتريت تبدا articulation واحدة تعرف وقتاش تجي أوليغو أرتريت ولا بولي أرتريت انفكسيوز يبدا سوجي إيمونو ديبريمي وإلا عنده أندوكارديت انفكسيوز مثلا ولا سيبسيس كيما معناها أندوكارديت ولا حاجة أن انفكسيون غراف معناها تلقى ليتا جينيرال نتاعو تخي زالتيري وسي با لو كونتكست الأخير complémentaire ponction articulaire bilan biologique bilan radiographique ponction articulaire c'est une tête basse le trois recherches ou microcristaux avec ou l'aspect microscopique c'est d'un doute quand on retire le liquide qui sera type de jaune citrin avec ça oriente vers une origine dégénérative arthrose qui est de troubles ou elle s'arrête puriforme, c'est ça du plus franc, on le retire. Cas d'infection avec ou elle le trouble qui est d'inflammatoire. Quand il est riche en cellules et calèche. Déjà l'analyse interne cytologie, je le cas il est fille des leucocytes actuellement 2000. C'est un liquide inflammatoire puisque fille barche cellules, je le cas trouble. Par contre le mécanique, je le cas citrin, quand il fille aqal men 2000 leucocytes. Plus
كيم بالبكتيريو خاطر ساعات تلقاها تخوبل مثلا وتلقى تلقى ان جيرم بعد الكولتور فهمت لا ساعات لي انفلاماتوار قلت لك ساعات تبدا تيلمون سيلولير تلقى بوسي انفلاماتوار كبيره برشا فهمت تلقاه تيلمون في دو سيلول يبدا حتى منظر تقولش عليه ديبو alors que c'est pas vrai فهمت بعد ديما سي ليكزامان باكتيريولوجي كي ترونش سي لا سيلولاريتي ساعات نعملو اون اناليز صحيح سي بلوس ان فافور كي يبدا بيوريفورم سي بلوس ان فافور دو سيبتيك مي سي با توجور لو كا ديما الاناليز هي اهم حاجه ou le contexte pour le contexte clinique fièvre ou quelque chose donc examen cytobactériaux tu vois les leucocytes qu'adèche polynucléaire neutrophile ou qu'adèche lymphocytes les hématies ou l'analyse anapath les cristaux ou le bilan biologique on a bilan inflammatoire NFS VSCRP et le bilan rénal ou l'acide urique ratatramamna fil goutte ou le bilan radiographique mais amanna hadhay el kol كلمونا لانابات على الاناليز دي ميكرو كريستو قالك فما دي كريستو في الليكيد ارتيكولير دونك اون بارل دو كوا هنا شنو دياغنوستيك عندنا سي بون ارتريت ميكرو كريستالي شنو هما لي دو تيب دو كريستو كو فو كونيسي انتوم بيروفوسفات دو كالسيوم دي هيدراتي كيتسام زيد هادي هيدراتي دي هيدراتي دي هيدراتي فهمت بون كي تحط معناها بيروفوسفات دو كالسيوم نورمالمون نحسبو لك صحيح مي تحب لي ايليمون دو بلوس والاخر يورات مونوسوديك كيفاش فرقوا بيناتهم قبل بيغيفراجونس لاسبي نتاعهم مش كيف كيف حتى طرف الكوت تخيلوا كي ليغوي اون فيت هيك علاش هو يعطي اون كريز ايغو عرفت في الكرو اورتي ديجا هو المريض يقول لك يدق تقولش عليه ابره والاخر تلقاه ريكتونغولير يعني ديجا حطيت لكم تصور باش تعرفوا دو كوا يساجي خاطر اذا كان ما تشوفوهاش Donc, les arthropathies microcristallines en général, c'est des atteintes articulaires métaboliques dues à un dépôt dans l'articulation ou en périarticulaire de microcristaux. Il y a trois types qui m'ont dit le goutte, l'acide urique, chondrocalcinose, le pyrophosphate de calcium, ou le rhumatisme apatitique, ou la hydroxyapatite. Les homéagies en général chez le sujet jeune et en périarticulaire, mais ce n'est pas dans vos objectifs. C'est à connaître les symptômes. Ah, le goutte. On dirait des aiguilles. C'est des aiguilles qui sont à bout pointu. Quand on a fait une cellule en extracellulaire, bi-réfringent fortement. Bi-réfringent avec l'aspect de la bise et de la zarqa. En lumière polarisée. Et puis, logiquement, dissous par l'uricase. L'uricase, c'est une enzyme qui dissout l'acide urique. Donc, logiquement, dissous par l'uricase. Là, je vais vous focusser, mais oui. Quelles sont les caractéristiques des cristaux de goutte. Est-ce que non dissous par l'uricase, trop faux, les petits éléments. Ou liquide, en général, inflammatoire. Actuellement, 2000, qui m'en prend le leucocyte. Prédominance polynucléaire neutrophile. Le goutte. Au CCA. L'aspect qui m'a c'est des rectangles. Des rectangles à bout carré. En intra ou extracellulaire kif-kif. Ils sont peu biréfringents en lumière polarisée. Et puis, ils sont dissous par le DTA, mais l'uricase, ce qui est logique. لا سيلول بيوس اي هذه مثلا كيما هذه الانترا سيلولير شفتها هذه البر هذه بيوس سيلول اي سينوفيال تلقى في سينوفيال ولا في سيلول ايمونيتير فهمت اكثر في سيلول سينوفيال معناها تلقى في وسط سيلول كيما كيك
Et puis, qui m'a dit, ils sont le DTA, mais je suis l'URICA, ça accélère. Ou le liquide, le CCA, ça a un talqa mécanique. Il y a des mouches en poussée. Il goûte, par exemple. Mais je talqa, en général, c'est liquide inflammatoire. C'est ça, une arthrite. CCA, qui t'amène, ça a un d'articulation, mais je fais arthrite. Je talqa mécanique, le liquide. C'est possible qu'il soit mécanique. Je talqa, il y a des cristaux. Inférieur à 2000 de polynucléaires neutrophiles. Une fichier barche des cellules inflammatoires. Il passe par des phases inflammatoires ou des phases qui sentent l'inflammation. CCA. Ou trail ou ces décors étrangers. Ces cristaux, ces décors étrangers qui provoquent une réaction inflammatoire locale. Et le liquide inflammatoire, mais ça, CCA, ils sont mieux tolérés, donc je dis, mais ils provoquent des réactions inflammatoires. Je dis, mais l'acide urique, t'as le patient, il est normal. Est-ce que cela vous permet d'éliminer une goutte? Allez, je mets en ligne, il va les raccords. يا جماعة الأونليني واحد منكم يجاوب وأنا قايد أبسون مرمزنين أي بيه قايدهم أبسون أي علاش الكريس ساعات تلقاه نورمال صحيح في الكريز خاطر يسو ديسولف الكريستو ما عادش باش تلقاهم فهمت دونك هاو هاو فاق فاقتو يا جماعة الأونليني وي مسيو وي شكون هذا سليم سليم زرافية والله مشينا مسيو الكونيكسيون ضعيفه هذيك علاش اي معناها قاعدين تسمعوا ولا انتم تو اي تسمعوا من الكونيكسيون ضعيفه به دم تسمعوا الكونيكسيون مش ضعيفه اي بري Mais on a donc lors d'une crise de goutte, il peut être normal ou proche de la normale. Donc, faut pas hésiter à refaire le dosage. Dis maintenant, par 2 semaines, bah, la crise. Dissolution, dès que tu as les cristaux. Il y a la crise, il y a le début, tu as la dissolution avec. Ou il y a les cristaux. Puis l'articulation, ou bad, par un événement, un traumatisme, ou le stress, ou la ouais, ils se disent une partie, mais on se dissout. Elle déclenche une réaction inflammatoire. Ça a été mojoud, ok, mojoud, le cristaux, avec ou belkder, mais on a une réaction inflammatoire. Une fois, on a une dissolution, que ce soit suite à un traumatisme, ou un stress, ou la hage, le corps humain, il le détecte, on a une réaction inflammatoire, oui. Il s'ensuit toute la cascade. Ma femme, tu sais, je formule les blagues d'eau, on te calme le couille, je ne sais pas. نجم نجم اي نجم معناها غوت كرونيك تقصد انت غوت كرونيك ساعات يبدا معناها نورمال وساعات يجيو دي كريز اونتر تون هكاك تقصد سما غوت كرونيك هذيك سي بوسيبل راهو هي الغوت سي اون مالادي كرونيك راهو يبدا عنده ان تو داسيد يوريك الفي فهمت
avec des dépôts ou bad ça a tiam des crises femme schéma ton face on تصور حسب ما فهمت الكيستيون تاعك ما نعرفش اسكو تاو شيما نوريه لكم بعد on tient le diagnostic de goutte en le patient interne. وقت الكريز فما لا سيجوري كي لي نورمال فهمت وقت الكريز il peut être normal كيما il peut être élevé احفظ هكاك نجاوبك بالكريز وقت الكريز لا سيجوري كي لي نورمال il peut être normal كيما il peut être élevé فهمت mais il est quel on retient le diagnostic de goutte à un patient interne. Fait donner qu'est-ce qu'on va proposer? Traitement de la crise. Traitement de la crise ou traitement, hein? Traitement de la crise beige. Colchicine ontalgique, ontalgique. هذوك كل يعني نبدا بالمزيور هيجينو ديتيتيك اذا كان باش تقعد اوبيز ويل كونسوم بوكو دو برشا لحم وكل شيء زايد مش تعمل شيء فهمت فوا ريجيم فون بورين الشاكوتري والجازوز والشيء هذاك الكل يفو ليليميني بيير زاد Il faut prendre en charge les facteurs de risque cardiovasculaire. Les gens hypertendus, il faut l'équilibrer. Les gens diabétiques, il faut l'équilibrer. Et puis le surpoids. Il faut l'aspirine. Il faut que tu aies sinon le pronostic cardiaque il prime. L'aspirine, ça déclenche des crises de goutte. L'aspirine, l'axe. Et ça dépend de la dose. L'aspirine à faible dose. À faible dose, il y a des crises. Hein. À faible dose. Il y a 100 mg protecteur, protection cardiaque, cardiovasculaire, il y a une faible dose. À dose anti-agrégante. Au traitement, tu as la crise, tu as le goût. Prendre un repos au glaçage, colchicine, antalgique systématique, ou infiltration avec une articulation accessible. On injecte des corticoïdes. Et puis le traitement de fond hypouricémien, l'allopurinol. L'allopurinol, il se met à distance de la crise. Allez. Ou en association avec le colchicine. Il induit une crise. Qui m'a dit qu'il y a le cristal avec qui tire la dissolution. Il va déclencher une crise. L'allopurinol, ou il va dissoudre les cristaux. Donc, il peut déclencher des crises. Il y aura 3 mois le colchicine en parallèle. Il y aura 3 mois, 3 à 6 mois hier le colchicine en parallèle avec l'allopurinol. On va en construire. L'allopurinol. Oui, les mécanismes je m'interroge non. Il dissout les cristaux, Zedara. Il déclenche des crises. Et quand les charnas on associe le. حس ذا عند شكون اللي موجود
On va dire comme quelques plaques. Je te fais un chouette. Donc, c'est une infection métabolique, dépôt de cristaux de rate de sodium, secondaire à la surcharge chronique en acide urique. L'hyperuricémie. خاطر يتقويو على الانترنت بربي اون ليني وعم كونيكسيون باهي حط كونيكسيون هكا مسيو ساعات تقص ما نسمعكش قص هو رجعت تو حقها بالكابل خاطر مش بالواي فاي دونك ديفينيسيون La hyperuricémie, elle dépend du sexe. Un sexe féminin, un chimère, un sexe masculin. Un homme 420, une femme 360. Le mécanisme, c'est l'excrétion rénale. Donc, liée le plus fréquemment, elle a une production endogène, dite. Un jeune. En général, à l'excrétion rénale. Ou elle a un trouble enzymatique, un problème enzymatique. Sur le jeûne enzymatique. Ah, jeûne, ce sera le sujet jeûne. Jeûne prolongé, charme. Est-ce qu'il y a une information concernant un syndrome rénal? Je suis obligatoirement. Quand le jeûne, avec un même mouche, il est comme chissir un nard, mais il y a un mouche. Étendu, manche sur la durée. Hey, parmi les facteurs déclenchants, hey. Hey. C'est un stress, ça constitue un stress finalement. Hey, hey, situation, hein, que le jeûne, tu vas priver le corps des apports, donc c'est une situation de stress. Je me disais, ça dépend, jeûne, chenon, à torse de... Ça peut déclencher une crise de goutte, comme ça. Voilà un petit traumatisme, ça. T'as pas été juste été de sa hauteur, là, qu'est-ce qu'il y a à l'heure. Bah, il y a une crise de goutte. Donc, en général, c'est 40-50 ans, un de sujet masculin. L'alimentation, quelqu'un de bon vivant, avec le barcha, et puis qui est obèse en général. Tel qu'un de décomorbidité, un syndrome métabolique. Haja importante, Zedelhi, l'hyperuricémie n'est pas obligatoirement synonyme de goutte. Nejmikoun, hyperuricémie asymptomatique, tout ça. Il arrive à trouver un équilibre qui m'écoule. Ne se dépose pas dans l'articulation. Il y a l'évolution naturelle dans le goût. Il y a un patient asymptomatique. Mais un hyperuricémie. Elle se prolonge avec l'hyperuricémie. À un certain moment, il va y avoir un dépôt. Les capacités du corps vont être dépassées. La première crise. En général, le patient est fakara la première crise. Tellement c'est douloureux. Ça touche le gros orteil en général. Ça touche le gros orteil en général. Et puis, par un intervalle libre, il y a une crise autre. Les crises deviennent de plus en plus sévères. D'ailleurs, en absence de traitement en Nord-Soudan, il y a de plus en plus sévères. Il y a une goutte installée. Tout ça, ma goutte chronique. Un femme un fond douloureux de goutte de dépôt avec des crises se pareil par des crises femme il faut distinguer le goutte primitive ou secondaire bonjour d'Afulco l'idiopathique elle dit avec alors qu'on a sujet bon vivant ou pléthorique obèse ou suralimenté avec le bâche ou elle
les troubles enzymatiques, les gens ont un sujet, je parle de déficit enzymatique, elle a une biochimie, au moins, comme le goût secondaire, insuffisance rénale chronique, tu goûtes secondaire, par défaut d'élimination, non, comme il y a un projet, et donc question d'examen d'IRI. Et parmi les traitements secondaires, antidiurétiques, pyrazinamide, les antituberculeux en général, pyrazinamide ou les tambutol, chimiothérapie, bonjour. Bonjour, je vous dis, quoi liste. Femme chimiothérapie, logiquement, c'est la hyperproduction, ça ou la destruction cellulaire, donc des purines qui sont détruites. Donc, l'aspirine à faible dose, le psoriasis étendu, c'est une agémiatique, goutte secondaire, la foule psoriasis cutanée. C'est une femme à desquamation, destruction cellulaire, dit ma. Donc, femme à hyperproduction. Les hépaties, destruction cellulaire. Et le goût aigu. Le goût aigu. Déjà, le patient prend tellement c'est douloureux. Même, il ne peut même pas tolérer le drame. C'est tellement c'est douloureux. Donc, la plus fréquente, c'est le goût aigu. Les facteurs déclenchants, les agressions, le stress physique ou la psychique, l'excès alimentaire, ou forme à des prodrômes qui précèdent. Ça a le patient, il faut le cap de la on va toujours la crise. Donc, développement d'une crise avec douleur rapidement évolutive et gonflement, rougeur, chaleur. Ça a été atteint de fièvre, tellement c'est aigu à l'épisode avec. Le début, il est en général nocturne. Dans la semaine, même sans traitement, ça régresse. Là. Mais comme le patient est algique, il y a eu l'urgence en général, tellement c'est douloureux. Dans un bilan biologique, tu as le syndrome inflammatoire, qui tape de ponction articulaire possible. Bon, le gros orteil, maintenant, j'aime ta ponction. Mais qui tape des genoux, mais le goût aigu, la plus fréquemment atteinte, c'est le gros orteil. Mais ça peut atteindre les autres articulations. Alors, je tape des genoux. Le plus fréquent, c'est le gros orteil. C'est typique. L'évolution, il s'améliore de façon spectaculaire, le patient. C'est un test diagnostique et thérapeutique en même temps. Le contexte, il y a des sujets âgés ou obèses ou chez avec alcool. Les précédés d'épisodes similaires. Sur un faisceau d'arguments, au bas de la distance de l'acide urique, tu as le temps. 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 Tu normal, puisque quand on a fait la crise aiguë, il peut être normal. Tu as à distance. Mais il y a donc le cristaux de l'acide urique. L'aspect, ça a, on dirait, de la craie, tellement c'est. C'est épais. Vous voyez le goût chronique. On a bad quand ça se chronicise. C'est pas beau à voir. Donc, comme des tophies goûteurs. Hein. C'est des tophus qui se déposent. Voilà, la tactique arthropathique chronique, c'est un fond douloureux avec des crises récidivantes. Des douleurs articulaires avec des crises récidivantes. En général, c'est asymétrique et ça peut même détruire les articulations. Et puis, ça peut donner des manifestations rénales, les lithiases.
باهي الجوت راهي ما تجيش في الانش مثلا اللي اكسبسيونيل في الانش في الغاشي معناها كازيمون 0% علاش اي هو جينيرال يقول لك خاطر فما شفتك التمبيراتور دو ديبو هذه باش نفسر لكم باش تقمروها ليكم نتوما فهمت معناها الديبو هذاك يصير على تمبيراتور بارتيكولير دي اكستريميتي ديما تلقاهم بلو فاد كو مثلا الانش ولا ليبول فهمت خاطر سي دي ارتيكولاسيون كي سون كونسيديري كوم بروفون الغوت ال بو اتاندر هذوكم مدوري كو سوا الكود ولا لي les mains ou les genoux, les articulations distales en général, quand plus froides que les articulations d'autres. Avec un petit gamme rohanto. Une goutte, une arthrite, une coccyte, une atteinte de la hanche. Impossible de mettre une goutte. L'épaule, c'est de kiff, une arthrite de l'épaule, mais déjà une goutte. Donc le diagnostic positif qui m'en coûte, Bekri. L'atteinte articulaire, elle est tellement typique dans le premier le gros orteil, surtout quand ça se répète, quand il y a des crises récidivantes. Quand il y a des crises, quand il y a des cristaux, avec presque sûr, la confirmation avec un diagnostic, et puis l'effet spectaculaire de la colchicine, partie colchicine et trace dans les deux jours maximum. Traitement à colchicine, donc 1 mg. Antalgique anti-inflammatoire, puis traitement de l'hyperuricémie, en général à distance de la crise aiguë, en général, bas 10 à 15 jours, avec couverture par la colchicine. L'objectif, on a tout à 360, l'acide urique. Chondrocalcinose rapidement, donc, acthermelgout, elle est plus fréquente. Ouais. En général, idiopathique. في الغوت ما عارفين هكا فما هيبر ريسيمي كرونيك اما في سي سي ام فماش هيبر كالسيمي كرونيك راهي بار انالوجي فهمت كيك سي دي ديبو دو كالسيوم دو بيروفوسفات دو كالسيوم فماش علاش سبب معين سوا بريميتيف تلقى عند لي زاجي اكثر من 70 عام اون جينيرال فما دي فورم فاميليال عند تلقى عائله كلها كبارهم بصغارهم عندهم السي سي ام Ouais, la secondaire, les questions d'examen, les CCA secondaires. Moujoudine, je ma femme a des étiologies orchidines. Mais les plus fréquentes, on a l'hyperparathyroïdie et l'hémochromatose. Dimadji QCM. Et puis, femme a différentes formes. Ça met d'ailleurs la grande simulatrice, tellement CCA tâte des manifestations très, très variables. Ça a tchabah le gout. تعطيك دي زارتريت مونو ولا اوليغو ارتريت ساعات تشبه البولي ارتريت روماتويد سميوها بسودو روماتويد خاطر لا تان لي دوا ساعات تشبه الارتروس تلقى كيما الارتروس تلقى جوست اون دولور اون ارتخالجي فهمت ان فون دارتخالجي هيك علاش قلت لكم ساعات ليكيد تلقى شي ما تلقاش شي انفلاماتوار تلقى ميكانيك وساعات ديستركتريس تلقى ديستركسيون ارتيكولير révélé par un épanchement, etc. Donc, très variable la présentation en terre. Il tame le radio, je t'alque des dépôts avec le CCA. Le genou, je t'alque les ménisques qui sont calcifiés, comme ménisco-calcose ou la calcification des ménisques. Israël calcique avec un ligament triangulaire du carpe. Voilà symphyse pubien. Les cartilages en général. Il y aura des calcifications. Ostéophyte, mais cartilage alors qui se calcifie. L'ostéophyte, c'est c'est une continuité de l'os, l'ostéophyte. C'est le cartilage en intra-articulaire. Juste, l'os.
ولا كيما قلنا بكري بيولوجيكمون واش تلقى كل لي كريستو هذوك. دونك الدياغنوستيك بوزيتيف سي لا فورم دو بريزونطاسيون والا لي كالسيفيكاسيون ارتيكولير باش تلقاهم او نيفو دو دو لوكاليزاسيون والا اون لوكاليزاسيون كاركتيرستيك كيما جنو باغ اكزومبل كيفاش تلقى في الجنو سي هذاك كي تلقى في لي كريستو هذوك تيبيك في البونكسيون وقتها تحفظ المشكل. لو تريتمون كيف كيف سا رجوان لو ميم تريتمون ديما الميم برانسيب هي الكلشي سين الميكانيزم داكسيون نتاعها انتي ميتوتيك صحيح مي اوسي لينيب لافلو دو بي ان اي بولي نوكليير نوتروفي. وحنا اي رياكسيون كونتر ان كور اترانجي ديما سافي سافي افلو دي بي ان اي هيك باش تقمروها انتوما كو سي ان تريتمون في الغوت والسي سي ا. هيك علاش لي فيلم تاعها سبيكتاكولير هي كنت قد تلمون سالي رابيد لافلو بي ان اي تتنحى تنحى الانفلاماسيون وكل شيء سين اي ان اس كورتيكو ثيرابي لوكال انفلتراسيون بوي نعم بوسلين juste là ça les diapos ne remplacent pas le cours là et en plus je ne passe pas le cours donc pas le cours mais je vois pas quoi. Donc elle va en déclencher une réaction inflammatoire.
خممت من بعد نقام 99 رقبة قديش نادي ريقي بشي شي يعني مسيو وي مسيو علاش بكري في قلنا في الكريس دو غوت انو اون بو ترو trouver une uricémie normale. Yani, je vois le mécanisme qui fait cliniquement hein, une crise de goutte, mais biologiquement, il n'y a pas l'uricémie, elle est normale. C'est que, au moment de la crise, c'est possible qu'il parle d'un bilan en tant que normal. Je vois que je vais vous parler. D'accord, merci.
Vous arrivez à voir les diapos au casque de connexion. Et je mets en ligne. Oui, monsieur, on peut voir. Donc, Bekri Kotel, comme l'acide urique, là, normal transitoirement. Il peut se normaliser transitoirement au moment de la crise. Mais le mécanisme, il peut être normal au moment de la crise. Monsieur, donc, nous avons dit maintenant les dosages de surveillance. Il faut le refaire à 2 semaines. À 2 semaines à distance de la crise. Il est un critère élevé et ouarta wada. Il y a un acide urique élevé. Il ne reflète pas le taux réel. Il faut le refaire à 2 semaines de la crise pour avoir le taux habituel. Avec à la base, sous traitement, il faut bien sûr contrôler l'acide urique. En général, on le contrôle tous les mois sous traitement. Avec un équilibré sous traitement, on peut faire plus à distance. On peut espacer les contrôles. Mais donc l'arthrose. Allez, on continue. Donc un deuxième cas clinique qui l'a d'une dame de 70 ans qui fait 80 kg pour 1m62, qui a un genu varum constitutionnel. Et depuis plusieurs années, elle vous dit qu'elle a des douleurs mécaniques des deux genoux au niveau des compartiments internes. Ces douleurs augmentent et prédominent à gauche. Elle a une discrète laxité latérale interne. L'interrogatoire et l'examen. Qui m'a rhumatisme inflammatoire, qui m'a... caractère de douleur. Mais l'autre antécédent personnel, familial, chirurgicaux surtout, c'est. Elle peut être opérée du genou. Je comprends. Ouais, je comprends que Charles l'a mis opéré du genou, Hédic. Ouais. Les médicaments, etc. L'horaire pour la mécanique. Donc le terrain avec antécédents personnels, familiaux, médicaux, chirurgicaux, traitement en cours, profession, les loisirs, dès qu'elle fait du sport ou la halle. Je vois un sujet de patiente 90 ans qui fait de l'escalade. 90 ans. Donc oui, c'est possible. Escalade, tu te chabes, 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 tu te douleur, l'intensité, impotence fonctionnelle, instabilité, sensation de blocage, sensation de craquement, c'est important. Et puis, la date de début, l'évolution dans le temps, le traitement, les facteurs déclenchants éventuels, surtout un traumatisme. Et l'examen. Examen de ta genou, avec mécanique, genou mécanique. Mais qui m'a appris, t'as dit. Combien c'est les comment est-ce que c'est le mécanique, mécanique. Non, c'est contre la laxité. Contre la laxité, au genou de varo. Marche, ça hit. Mais je suis une boîterie.
Fermez une boîterie et la marche. Ou va en position de vous. Tu ouvres l'analyse statique des axes. Et que j'ai nu Varom ou le Valgom. On a un de Varom. Hein? Hey, distance intercondylée. Le génuf les sommes ou les récurvateurs avec en décubitus chouf la lamiotrophie quadricipitale en déchet les muscles c'est important là les reliefs osseux l'interligne articulaire l'appareil à particulière hein? Claudication hey. Claudication je te les sciatiques avec les genoux où j'ai fait douleur irradiée, manéha. Pourquoi pas? B. Les mobilités articulaires actives et passives. Signe de rabot avec Tfakrouha. Mobilisation de la rotule. Le fait de mobiliser la rotule sur le fémur. On va sentir un craquement avec Tfakrouha. Haraka. Dès que c'est un signe d'arthrose fémoro-patellaire. Mais le cartilage est vert ou mouroutéable. Le choc rotulien, il y a un tasseur à l'otanie, tu as fou. Oui. Femme arthrose fémoro-patellaire. Mais le cartilage, il est mal au point. Chnia? Oui, je connais. Il dit qu'il y a une laxité rotulienne. Ça a comme déplacement dans la rotule. Que ce soit avec quelle luxation, sorte de luxation. Femme, ça a la rotule, il y a une laxité hyperlaxe. Femme, ça a la rotule, il y a une laxité hyperlaxe. Femme, des sujets, il y a une laxité hyperlaxe. La rotule, tu te mets avec. Et puis, femme, la laxité tendineuse. T'as les ligaments croisés avec ou les ligaments collatéraux. Chouf, mais chez laxité ou le tiroir avec khatr ba'd najtam l'arthrose. T'as un des ligaments croisés qui dit le traumatisme قبل ولا كان تكور. Donc l'examen général, faut pas l'oublier. Les éléments pertinents في l'intérieur في l'énoncé interne كما قلت لكم ديما حاولوا تخرجوا l'élément pertinent تخليوا خاطر برشا كلام يبدا في الانونسي دونك كيفاش لاج لوبيزيتي جينو فاروم افيك سي امبورطون كونستيتيوسيونيل خاطر يل بريديسبوز لنوع من الارتروز فهمت اي بوي بليزيورز اني دونك سي كرونيك سي ميكانيك سا توش لي جنو كي سون دي ارتيكولاسيون امبورطونت اي اي بوي لا ديستريت لاكسيتي افيك ça prédispose. Donc deux articulations, les deux genoux, c'est symétrique, mais bon, douleur prédomine à gauche, début progressif, récurrent, horaire purement mécanique, l'âge, l'obésité. Donc c'est des gonalgies chroniques mécaniques chez une dame âgée. Fechstram. Aoul Haj. Donc l'arthrose, processus dégénératif, je m'en ai dégénératif. C'est une destruction au fil du temps, mental. Cartilage. Donc, ça touche le cartilage, nos sous-condrales, les articulations portantes surtout, les hanches, genoux ou hanches, qui sont sièges d'arthrose, et le rachis cervical ou lombaire, à l'aige dorsale. Je suis dorsale, donné, j'ai hein? Mobile, le rachis dorsal, il est fixé par la cage thoracique, mais il ne donc, mais il y a l'arthrose, mais ce n'est pas fréquent. Et puis, les interphalangiers, proximal ou distal. Hein? Avec le mouchoir, avec le couloir de chico. Mais a priori, mais ça ne prédispose pas à l'arthrose. Tu sais qui est l'arthrose digitale, les travailleurs manuels, qui travaillent beaucoup avec les terres, ou les chayats,
هذاك ولا ترافايور مانيوال يخدم في معمل يعاود في نفس الموفمون بيديه بصوابعه والا فما ديفور فاميليال تلقاها فامي كيكل كلهم سورتو لي دام سورتو لي دام تلقى عندهم دي زارتروز ديجيتال باهي نرجعو للباسيون تاعنا قلنا قلنا ارتروز شنو هما لي زيكزاما اللي نطلبو شنو هما لي راديو سهلة راديو كيكل راديو نتاع شنو الساعة زوز ولا واحدة برك زوز فاسي بروفي كهو شوس هذيك ما تحقروش ايه كنت نحقرو اني من بعد ظهر قدرو ايه بابار شوس كاين على الارتروز في موروبا تيلير فما انسيدونس تسمى انسيدونس في موروبا تيلير 45 دغري ولا 30 دغري اون فليكسيون شوي اهو دو جنو فاس او بروفيل ديما سيمتريك مش جنو برك بور كومباري الانسيدونس اكسيال 30 او 45 دغري ولا انسيدونس دو شوس اهو شوس شفتوا الراديو راديو هيفي هيفي دو فاس هيفي ديجا ليكسي فاس اون شارج شفتها اون شارج سي امبورطون علاش خاطر كي يبدا كوشي سي با لي كونديسيون ريال فاسمون اي بو تيتر ماسكي راه يبدا اون فاس كوشي مي كي نتلزو نطلبو كوشي مي ليديال سي اون شارج بروفيل مش مشكل علاش خاطر دو توت فاسون اي فا ايفولوي ايفالوي في مورو باتيلير البروفيل ما حطيتش يعني تصويرة نتاع بروفيل مي باش توريني لارتيكولاسيون في مورو باتيلير مي مش مشكل بالنسبة للبروفيل دونك فاس اون شارج هذي هي الشوس الشوس يبدا اون فليكسيون صغيرة كيما هنا فهمت والشوس alors que c'est le même genou هذا شفت الباسمون من هنا pas le même il est masqué في اللغة ينجم تعمل راديو يجيك تقول لها يجيك تعمل راديو هذي تقول له لاباس ما فماش من ارتروز alors qu'en réalité il a une arthrose avec par contre chose femme حاجة اللي كم تدوم هذي il peut masquer les ostéophytes et que les becs donc la pharyngine il peut les masquer mais il améliore la sensibilité pour le pincement chose il y a des quelques flexions ou dans la même position en flexion qui mène à un tu vois le rayon il y a des rayons j'ai mal fourre des rayons de pays يبدا اليوم جاي من فوق يعطيك التصويره هذي زوز يصيروا هما اون فليكسيون كيما هكا 30 دوغري هكا علاش تسمى انسيدونس اكسيال خاطر اليوم جاي من فوق يجي من فوق يعطيك هذي في موروبا تيلي شفتو في الارتروز هذي في موروبا تيلي هذيك ارتروز في موروبا تيلي هذوما لي راديو يجيو يتسالوا كيستيون ديكزامان interpréter la radio. Condensation de sous-membrane. Qui fait nous ça? Focal ou la localiser? Localiser ou la focal? S'il vous plaît, condensation du plateau. Condensation locale, mais on insiste sur le pincement à l'aise. Dans les inflammations, par exemple, le coccyte, le pincement il est diffus. C'est une inflammation, mais je pense qu'on fait un compartiment basse inflammation. C'est diffus à toute l'articulation. Et qu'à l'aise, il y a un pincement diffus. Par contre, pour l'arthrose, نعم في الكوكسيت ولا في الكوكسارتروس كوكسيت سي انفلاماتوار سي اون ديستركسيون مثلا في الانش نحكي تو في الانش تسمى كوكسيت صباح وريتها لهم في ستاج كوكسيت معناها ديستركسيون دون ارتيكولاسيون كيما الانش تلقى ان بانسمون ديفو خاطر سي دو لانفلاماسيون لانفلاماسيون تجيش اللي تاع ان كومبارتيمون صغير من ارتيكولاسيون وتخلي البقيه C'est toute l'articulation qui est inflammée. Par contre, l'arthrose, c'est un pincement localisé. C'est des phénomènes mécaniques.
ثم هنا هذه الكونترانس ميكانيك تستكثر لهنا ولهنا ماشي معناها مش كبيره الكونترانس ميكانيك دونك البلاصه هذه اذا فيها كونترانس ميكانيك اكثر باش يصير فيها باسمون اكثر فهمت هذا في الكومبارتيمون بارك يوني كومبارتيمونتال هكا علاش فوكاليزي جيود هذه تنجم تسميها جيود هذه اوستيوفيت هذه ما فيهاش اوستيوفيت مش ديما تلقاها Ouais, en général. Mais ça, c'est modifié par le genou varum ou la valgo. Maintenant, on va les combattre. T'as souvenir. Donc, condensation, on va faire sur l'os, les nez abîmes, je vais accélérer. Les parties, elle est. Dans ma pincement, elle est. Mais je vais t'accélérer la géode. Mais la géode, c'est un signe tardif, mais je vous dis. Et c'est un signe qui est rare, je vais. Diode d'hyperpression, il est secondaire avec une pression en heavy qu'à l'avant. Ou l'ostéophyte, trahit l'osédéclifique. Puisque c'est des contraintes mécaniques, le bel noir doit jouer à ce moment-là qu'il bec de perroquet, il est né à la note, il os rare, il capte la surface dans la pression. Finalement, ça a la longue de pression, il est né. Il y a ce moment-là, il est né os. J'hésite la surface de pression. C'est les signes cardinaux de l'arthrose. Radiologique, pincement localisé, l'ostéocondensation sous le bras, l'ostéophyte, mais bon, je vois, j'irai, du coup, en général. Et puis, j'irai sous le bras, l'hyperpression, tout ça. Et qui n'a pas encore le coup de l'ouest, ça va, ça va, je suis le coup, comme ça, pas une partie, mais non. J'irai, surtout, j'irai, mais je dis, maintenant, le cas. Mais quels sont les facteurs favorisants de cette affection? Oui. L'âge, l'obésité, l'instabilité, on a la laxité ligamentaire, et puis le trouble de la statique lié au génu varant. Conduite thérapeutique. Anti-inflammatoire, mais je vous pour Barchara. Mais je m'en voilà, c'est possible, mais surtout, un sujet, je. Dis-moi, je suis trop maintenant anti-inflammatoire, en absence de contre-indication. Il m'a dit, je vais te faire examen, ou la fille, je vais te faire le barra, ou la. Dis-moi, je suis antalgique, anti-inflammatoire, en absence de contre-indication. Quand le sujet agit, maintenant, je suis à 70 ans. Elle risque d'avoir une petite insuffisance rénale, elle risque d'avoir un ulcère gastrique. Il m'a dit qu'un élément de plus. Dites que non, tout le monde n'a pas ce que. Hein? Mesure, oui. Mesure, oui. Quand on a dit que c'est un peu plus d'algique, qui n'a pas le poids, oui. Antalgie. Hein? Rééducation. Il faut renforcer les muscles. En général, tout cas, un sujet âgé, même si je marche, quand on renforce les muscles, on se charge à le genou. Donc, le. Non? Comme? Bon, tu es le seul, tu es le gène. Tu es le gène fonctionnel. Tu as évolué, l'arthrose évolue. Il y a des pincements qui sont. Ou elle, la patiente, elle est très gênée sur le plan fonctionnel. Un indice qui est le questionnaire ou est-ce que c'est un indice de lequel je vais vous ajouter sur le cours lequel avec qui score n'est-ce pas vous ajoutez sur le cours c'est important dans la conduite dans la pratique quotidienne qui score n'est-ce pas vous par exemple quand tu es un kilomètre ou un mètre est-ce que tu n'as pas la droge ou est-ce qu'elle a besoin de à partir d'un score supérieur à 12 pourtant, on peut poser l'indication chirurgicale. Donc, mesure hygiéno-diététique, réduction du poids, activité physique, kiné, rééducation, traitement symptomatique, anti-inflammatoire en absence de contre-indication, comme les anti-arthrosiques d'action lente. C'est des sortes de traitements de fond, des sortes de traitements de fond
كما تقول ما يضروش ما ينجموا ينفعوا ils sont pas toujours efficaces mais ils peuvent donner un bénéfice ils donnent un effet après plusieurs mois de traitement en général ils mettent 3 mois de traitement le patient باش يتحس شويه يتحس les infiltrations d'acide hyaluronique patient il s'est mis au يقول لك باش يزيدوني الزيت في الركبه c'est une sorte de produit visqueux ils ont le genou produit visqueux فما le PRP زاد طالع à la mode ils prennent du sang périphérique ils amènent le centrifugation surtout les joueurs ils mettent tout dans les muscles les ions non voilà في الواحد في الميديسين استيتيك يستعملوا زاد في الشعر ولا في حتى في الفيزاج ولا احنا وميديسين سبورتيف يستعملوه ولا في الارثروز Si échec, tu as un cool, un dysfonctionnel qui m'a pris élevé, on peut proposer une prothèse, puis surveiller. B, le gonarthrose. C'est une localisation fréquente de l'arthrose. C'est une articulation importante. Elle atteint surtout les femmes entre 40 et 60 ans. Voilà, souvent OP. Ça a des varices. ما عرفش علاش اللي عام مي بون سا اكزيست خاطر شنو؟ ممكن دونك سي سوا بريميتيف فماشي نعمل انومالي معناها سوجا سونت ولا سكوندير باش تلقى انومالي دي زاكس كيما قلنا جينو فاروم ولا فالغو الي سوفون بيلاتيرال دون دو تيار دي كا مي symétrique, le genou et la douleur elle est progressive, mécanique, comme des sensations de craquement ou de blocage. Le genou il est tuméfié, ça a le cas mais caractère clair, il y a un enchaud, comme les signes inflammatoires locaux, chaleur ou rougeur, ça a le cas un choc rotulien, l'arthrose, ça m'a dit d'arthrose, mais qui t'amène l'analyse, le cas mécanique, avec la quinalie inférieure à 2000, ça a le cas les sons. Donc les radios qu'on a liées بكري les signes cardinaux on en prend en radio il y a pas de syndrome inflammatoire qui t'amal ou les qui dit les mécaniques inférieur à 2000 ou ça a اكثر من اقل من 1000 اصلا ده هذه هي الغوناكتروز qui kiffe radio d'autre pansement elle est très évolué pansement تلقى ostéophyte تلقى condensation هذا ماعرفش مش واضح بكدا ما هذا في انوستيوفيل تحسو ان بيك خارج انا هو هذا فالقوم ولا فاغو علاش فالقوم فاغو مش تكمل فاغو اون ديري اون بوتي دو Voilà, le goût, on dirait du chewing-gum, tellement l'esprit. Les gens en ligne. Je me dis que la radio, c'est la conséquence de chewing-gum. Je vais le voir. Moi, le goût. C'est une arthrose qui fait le nez, elle dit. Externe. Externe, pardon. Allez, pardon. Externe. Pardon. Dis externe. Allez, pardon. فالغو اول فالغو العظم يلصق بنا راه من برا من اكستير فهمت يعطيك ارثروز موتيفيال اكستير تبدا اكستير فالغو هذا في يلصق لهنا ليزو لهنا الاسباس باش يكسر فهمت هذاك الفالغو هذاك الفارو دونك لي غون ارثروز سكوندير ساعات تلقى ديسبلازي في مورو باتيلير ولا في مورو تيبيال دونك نتعرفوهم لي كومبارتيمون في مورو تيبيال انترن اكسترن وفي مورو باتيلير هذوك كلهم بوف تيتر لو سيج دو اندارتروز ولا في مورو تيبيال تنجم تكون هذيك اوستيونيكروز ولا بوست تروماتيك ولا حاجه وقتها تسمى سكوندير كوكس ارتروز هي سي الارتروز او نيفو دو لانش اللي رار ان تونيزي تنجم تكون بريميتيف 60 ans, surcharge ou obèse, comme ça, ou la secondaire à la quarantaine. En général, il y a une autre chose sous-jacente.
عنده نستو نيكروز ولا عنده تروماتيزم ولا حاجة ولا لوكساسيون قديمة مال تريتي كاو كوكسارتروز بريميتيف تعطيك دولور انغوينال كلينيكمون اون بواتري ديما كي العاده نفس البرانسيب راديو كومباراتيف فاس فما فاس وفما فو بروفيل فماش بروفيل هنا فما فو بروفيل فما فو بروفيل دو لوكي اسمه هكا ايه صحيح ايه دونك دو راديو يطلبوا في الانش كي العاده باسمون الكتيف كيما قلنا ولا فوكاليزي اون جينيرال سوبيرو اكسترن تلقى كادرون سوبيرو اكسترن تلقى لي سيني الاخرين اوستيوفيت وشايله سيدو دياغنوستيك ساعات خاطر قلنا لونش ماهيش ديما معناها تو تريتي لا كونفيزيون نطلبو يري ولا ارثرو سكانر تريتمون كيف كيف دونك ميناجي لارتيكولاسيون لو روبو لي زونتالجيك انتي انفلاماتوار كورتيكويد لوكال انتي ارثروزيك فيسكو سوبليمونتاسيون ريدوكاسيون شيروجي اذا كان كيف كيف زاد في لونش مع الانديس دو لوكال يتحسب زاد عندكمش دي كيستيون عندكمش دي كيستيون جماعة لون ليني اوكي يعطيكم صحة